On va faire les derniers cassements de papo. Merci d'être connecté avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je suis à NYC. Je voulais en profiter pour dire merci à tous mes connaissances au niveau de Paris. Le séjour était vraiment fabuleux. Merci à mon élément préféré pour tout le support inconditionnel. Merci pour tout. Merci pour l'accueil, voilà, et tout. Merci aussi à tous mes amis cyber-activistes au niveau de Paris. Merci pour l'accueil. Merci, merci pour tout. C'était vraiment génial. Je suis de retour à NYC. Voilà, le combat continue, le combat pour la liberté d'expression, pour la démocratie, pour la cohésion, pour la fraternité, pour une nouvelle manière de faire la politique
continue, on le cueille, on va toujours et on va toujours sûrement, sans crainte et sans peur. On va zailler un peu, voilà, on va parler un peu de ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre pays. Je vais d'abord commencer par dire mes félicitations au leader générationnel Soro Gibafori Guillaume, voilà, pour l'interview qu'il a eu à faire la dernière fois. Et aussi, tirer mon chapeau encore à Soro Gibafori Guillaume, parce qu'il faut que je le dise, que je le précise, c'est à cause de Soro Gibafori Guillaume aujourd'hui, les personnes qui veulent sont ok avec ou pas, mais je le dis, c'est à cause de lui que les personnes incarcérées aujourd'hui ont été libérées quelque part, parce que c'est à travers le combat de Soro Gibafori Guillaume que nous avons pu mettre la pression sur le plan national, certes, mais surtout sur le plan international, pour que au moins les personnes aujourd'hui comme Kanegi, Tefou, Kando et autres qui ont été libérées, voilà, puissent quelque part retrouver leur famille. Et aujourd'hui, je vais parler aussi de, comment on appelle, de KKB. Le RHDP, je vous ai dit, le RHDP, c'est du fiasco, c'est du fini, c'est la racaille, voilà. Aujourd'hui, le RHDP, je vous l'ai dit à maintes reprises que Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, en train de jouer ses dernières cartouches. Sa femme, Dominique Ouattara, est sur Paris pour essayer de trouver des voies et moyens pour pouvoir activer, voilà, ses réseaux pour que, comment on a, Macron puisse accepter, voilà, ce troisième mandat de Alassane Draman Ouattara, que je lui dis et je le précise, est un mandat anticonstitutionnel, qui est un mandat de la honte, un troisième mandat où notre constitution ne permet pas à Alassane Draman Ouattara de continuer à mener à faire ce troisième mandat. Donc pour moi, c'est du fiasco, pour moi c'est la honte, pour moi c'est un mandat qui n'a aucun sens. Mais nous le savons très bien que Alassane Draman Ouattara, c'est pas un c'est comme on le dit, il est là pour ses propres intérêts. Voilà, ils s'en foutent, voilà, de la vie, ils s'en foutent de l'économie, ils s'en foutent du social, ils s'en foutent de tout. Nous sommes à la veille des élections aujourd'hui, ce sont des promesses qui ont été faites pendant des années que nous allons revoir, nous allons entendre. Mais une fois que ces personnes sont élues, voilà, le peuple ivoirien qui est supposé aller de l'avant, nous sommes supposés croître et tout, nous nous rendons compte que c'est toujours le même statu quo quelque part, c'est toujours les mêmes chauffettes. Donc le mercredi, nous sommes à 2000 personnes connectées. Le ministre Sansan Kambiré, j'ai eu à voir un poste de Cissé Sœur, voilà, qui devient très intéressant, il faut le dire, qui était un grand adepte du RHDP, mais par ses postes aujourd'hui, je pense que Cissé Sœur est quelqu'un de déçu, il est très déçu du RHDP. Et j'ai vu le poste où il a eu à parler du ministre Sansan Kambiré, dit que les propos qu'il a tenus en 2016 à l'hémicycle concernant l'éligibilité du président Alassane Draman Ouattara ne sont rien devant la décision du Conseil constitutionnel. Ça fait rire, non, nous sommes dans une république bananière avec des voyous au sommet. J'ai vu aussi le poste de Cissé Sœur, disons que faire des réunions pour encourager les militants à participer massivement à l'investiture de KKB est vraiment désespérant. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara, nous le savons très bien, a eu à payer KKB à près de 500 millions, voilà, de francs CFA, parce qu'il sait que la personne aujourd'hui qui est la plus influente, la personne aujourd'hui qui peut quelque part défier, qui peut mettre Alassane Draman Ouattara, est Soro Gibafori Guillaume. Il sait aujourd'hui qu'il ne peut pas tenir devant le président Henri Konan Bédié. Et il sait aussi qu'il ne peut pas tenir devant le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, qu'il a fait de lui un exilé par force. Donc la seule personne en ce moment et à cet instant T que Alassane Draman Ouattara peut trouver pour pouvoir faire quand même, comme on le dit, faire de lui un candidat, est KKB. Et il sait très bien aussi que KKB n'a pas de poids, voilà, sur le plan politique. Donc il est obligé de financer KKB, il est obligé d'aider KKB à faire ses investitures, à même faire sortir, payer des personnes à sortir, aller remplir des salles, aller remplir des meetings et tout, pour pouvoir donner l'impression que KKB tient, pour pouvoir donner l'impression quelque part aussi que, certes, les autres personnes ne veulent pas se présenter, voilà, aux élections à venir, mais lui, Alassane Draman Ouattara, va le faire, mais dans le même temps, il a un combattant féroce qui est en face de lui, qui est KKB. Nous le savons très bien que KKB a été vendu de la République. Nous le savons que c'est quelqu'un qui n'a pas de crédibilité, c'est déjà un. Et nous savons aussi très bien que Alassane Draman Ouattara ne peut en aucun cas et ne veut
mise dans une posture où il aura des candidats compétents en face de lui. Aujourd'hui, je vais tirer l'attention du ministre, du président du Conseil constitutionnel, lui dire que tout ce qui va arriver, le bain de sang qui va couler dans notre pays sera dû au président du Conseil constitutionnel. Parce que le président du Conseil constitutionnel sait très bien que Alassane Dramane Ouattara n'a pas et n'est pas éligible à vouloir ou à pouvoir briguer un troisième mandat, mais il s'entêtait à accepter la candidature de Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, le bain de sang est vraiment, c'est dommage et je suis désolée de le dire, mais à la lueur où les choses partent aujourd'hui, nous partons dans une instabilité totale. À la lueur où les choses partent aujourd'hui, nous allons vraiment à, comme on appelle, la Côte d'Ivoire est mise dans une posture où, moi, la guêpe, j'ai bien peur que la population, voilà, commence à en avoir ras-bol. La population et les Ivoiriens commencent en avoir marre. Plus ou bien vont vouloir sortir dans les rues et manifester, voilà, leurs droits et leurs devoirs, que cette liberté d'expression. Et j'ai bien peur qu'en sortant dans les rues, nous nous retrouvons dans une position où il y aura, une riposte, si je peux le dire ainsi, entre le gouvernement, voilà, qui est aujourd'hui aux aguets, et aussi le peuple ivoirien. Donc aujourd'hui, je le dis haut et fort, Alassane Dramane Ouattara joue ses dernières cartouches, et aujourd'hui, il n'a pas le choix, parce que, il faut que je le précise, il a la pression de Macron sur lui, il a la pression des États-Unis sur lui, il a la pression aussi des Ivoiriens sur lui. Donc Alassane Dramane Ouattara en ce moment et à cet instant T a le dos au mur. Il ne sait que faire, et il va essayer de jouer, je le dis toujours, ses dernières cartouches pour que nous puissions accepter cette éventualité, voilà, et lui permettre de pouvoir briguer un troisième mandat. Et je l'ai dit et je l'ai répété à plusieurs reprises, il n'aura pas de troisième mandat dans notre pays. Alassane Dramane Ouattara ne fera pas un troisième mandat dans le pays. Sola Gibafouri Guillaume l'a dit, il a été net et clair là-dessus. Nous n'allons pas partir aux élections le 31 octobre prochain parce que nous n'avons pas Sola Gibafouri Guillaume qui est inclus. Le président Laurent Gbagbo n'est pas inclus. Le président Henri Konan Bédié ne va pas accepter et n'accepte pas le fait qu'Alassane Dramane Ouattara soit un candidat, voilà, aux élections à venir, parce que notre constitution ne lui permet pas, voilà, de se présenter pour ce troisième mandat. Aujourd'hui, c'est bien dommage, nous sommes arrivés à une posture où nous avons des infiltrés dans notre pays. Nous avons Alassane Dramane Ouattara qui a fait rentrer, voilà, des milices venant de d'autres pays pour pouvoir venir en renfort au cas où le peuple ivoirien sort dans les rues et hausse leur voix pour pouvoir les mater et pour que nous puissions revenir reconnaître encore ce que nous avons vécu dans le passé, dans cette rébellion. Qu'il faut le dire, pour moi, la guerre, c'est quelque chose de frais, voilà, quelque chose de nouveau. Nous sommes sortis de cette rébellion, nous n'avons pas encore, digéré la rébellion. Nous avons encore les séquelles de la rébellion, et dire que nous allons nous retrouver encore dans cette posture de cette instabilité, pour moi, c'est vraiment dommage. Et je pense que nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui où nous, les Ivoiriens, nous devons mettre nos divergences, je parle du côté de l'opposition, mettre nos divergences des côtés, faire une coalition, essayer de mettre nos forces ensemble pour que nous puissions chasser ce mal, cette gangrène, ce cancer qui n'est pas seulement le mal de la Côte d'Ivoire, mais qui est aussi le mal de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, il faut que je le précise, est celui qui est en train de diviser les Africains, même au niveau de la sous-région. Il a été à la base d'un coup d'État au niveau du Burkina. Il a été encore à la base, voilà, de vouloir passer par les voies et moyens et instaurer et maintenir, voilà, son poulain de Ibeka au niveau du Mali, qui a été du fiasco. Et il a été aussi à la base aussi d'un coup d'État aussi qui a failli être planifié au niveau de la Guinée. Donc ce monsieur est un putschiste, c'est un coup d'Étatiste, c'est un voyou, c'est un voleur de la République. Voilà. Donc nous devons unir nos forces pour chasser Alassane Dramane Ouattara, pour qu'aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous puissions retrouver la paix, l'amour, la cohésion, la fraternité, l'union, et pour que notre pays puisse aller de l'avant. Pour que la Côte d'Ivoire, qui était la référence dans le passé, qui a
perdu cette référence puisse se retrouver et que nous, les Ivoiriens, nous puissions continuer dans cette lancée. Donc, pour moi, je le dis et je le précise, le président du Conseil constitutionnel qui a accepté la candidature de Alassane Dramane Ouattara, sachant bien que notre constitution ne lui permet pas, moi, la GEP, je lui tiens et je tiens ce président responsable de tout ce qui va venir dans notre pays. Parce que c'est lui qui a accepté que Alassane Dramane Ouattara soit le candidat. Et je le dis, je le précise, il n'aura point d'élection le 31 octobre à venir. Tant que nous n'avons pas inclus tous les candidats potentiels à ces élections à venir. Alassane Dramane Ouattara, son troisième mandat, il peut aller le faire à Saint-Doux, sur Seine, à Paris, à Mogé, Bogé, il peut aller faire à Sini, il peut aller à Conques, on en a que dalle, moi la guêpe, je n'en ai que dalle de ça. Mais je le dis, au niveau de notre pays, Alassane Dramane Ouattara ne fera pas ce troisième mandat. Parce que nous, les Ivoiriens, nous avons fini avec cette marmaille, cet imposteur, ce vendeur d'illusions, ce monsieur qui nous a fait croire.